the kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. Salut les bandits, ça y est, on est prêt. On a fait le petit plan de run, tout ça. Pas facile, hein? Pas facile. En route? C'est parti? C'est parti. Musique? On a regardé si tout fonctionnait bien, la voiture suit bien. On va refaire un resserrage dans peut-être 30 km. Faire un petit contrôle. Et voilà quoi. En route! Parti pour 690 km. Ça ? Ouais. 700 quasiment. Ouais, quasiment 700. 10 heures de route. Ouais, 2 jours. Allez, à tout à l'heure les bandits. Gros bisous. Première petite pause, on s'est fait chier, on s'est encore gouré de route. Nous on fait que ça à chaque fois. À chaque fois que je prends la route, je me gourre. C'est un truc de dingue. Du coup on a fait toute la campagne. Ah, c'est dommage que je filmais pas comme ça, on aurait vu ta chute. Du coup on a pris plein de petites campagnes avec ces toutes petites routes qui sont arrondies comme ça vers le fossé, qui demandent et qui disent à ton bus, viens dans le fossé s'il te plaît, avec les poids lourds qui passent à fond et tout. Enfin bref. Là ça y est, on prend les grosses directions, voilà, en fait faut pas suivre le GPS, faut vraiment prendre les grosses directions qu'on en poids lourd, basta, même si on fait 20 km, on prend les grosses villes, voilà, même si notre itinéraire il passe 20 km au-dessus d'une grande ville, et ben on prend les grosses directions. Allez, ça nous évite de faire, toutes les routes de campagne. Voilà. Et là Charlotte a enlevé les clés pour pas qu'on nous vole l'auto. Il faut mettre le contact hein, bien sûr pour que les roues suivent. On ne peut pas partir avec les mêmes. Arrière avec le bus. Ah ouais, la puissance qu'il a, le 806, on va arriver, il sera en train de burner, il va partir avec le bus.
Regardez, on cherche un restaurant, on se fait arrêter par des bandits. Un vrai bandit. Un peu. C'est pas marrant ça. On a réussi à se garer, là on va se poser et puis après on est reparti quoi. Ravi d'avoir fait ta connaissance du coup. Bon bah voilà, on a parlé un petit peu avec ce petit bandit qui était bien, bien sympathique. On l'avait vu klaxonner ta vie, il a fait demi-tour pour revenir et tout, excellent. Et entre autres, tous ceux qu'on a croisés sur la route. Non mais là, il s'est arrêté, puis on a papoté un petit peu. Bah, salut à toi, Gérard. C'est Gérard. Je sais pas. Ah il m'a pas dit son prénom. Nous, c'est facile, ils nous connaissent, mais nous, on les connaît pas. Là, on va se faire un chinois, on espère qu'on va pas tomber malade. En fait, on avait envie de manger une pizza et on n'a pas trouvé. Et il y en avait un plus loin, mais il nous a dit que c'était pas top et on pouvait pas se garer, il y avait des barres de hauteur. Voilà, coup, l'inconvénient d'avoir un gros truc. Et non, l'inconvénient d'avoir une voiture derrière et qu'on puisse pas faire de marche arrière. Donc les demi-tours, l'inconvénient c'est galère. Du triangle de remorquage, vous pouvez pas faire de marche arrière. Du coup, on a trouvé une grande place, on a pu se garer et le chinois est juste en face. Garé sur trois places. Et tant pis, de toute façon le parking est super grand. Donc il y a de la place pour tout le monde. Arrête de faire des gros plans. Du coup, là on va aller manger parce que j'ai faim. En amoureux, allez, bye bye les bandits. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand je vais manger au restaurant, il faut tout le temps que j'ai un œil sur mon véhicule. Voilà, vous voyez, il est là-bas. Vous le voyez ? Depuis que je suis adolescent, que j'ai mes mobylettes, quand je mange au restaurant, j'aime bien avoir un œil sur ma bécane ou sur mon véhicule. Et là, j'ai réussi. Vous voyez là-bas ? Hop ! On voit le bus et la voiture. Allez, bon appétit ! D'ailleurs, petit conseil, il faut toujours être très vigilant et avoir un œil sur son véhicule. Vous pouvez avoir la meilleure alarme du monde. Si vous n'avez pas un œil sur votre véhicule, voilà, évitez de se garer là où ça pourrait craindre. Et être dans des endroits passants, pas aller se mettre dans des coins, dans des fonds de rue. Voilà. Nous, grâce à cette technique, en général, ça se passe bien. Ah, j'ai mal au ventre. Non. Ça va aller, toi ? Non, c'est bon, ça va aller. Mission pour ce soir, on va faire encore 30 km, 40 km. Ouais, une demi-heure à peu près. Tu vas trouver un petit spot pour dormir, tranquille. J'ai trouvé un petit truc. On ne doit plus dans le cadre. J'ai trouvé un petit truc en bord de Loire. Toi, tu m'éblouis tellement ta beauté que je sais même plus où je cadre. Dis donc. En bord de Loire ? Ouais, bah s'il y a le Loire, c'est la qui Loire passe. Ouais, ouais. Le Loire, pas la Loire. C'est marqué bord du Loire. Enfin, le Loire, la Loire, je sais pas trop en fait. Ça caille, on a pas pris de manteau, on va aller dans la neige. On n'a même pas pris nos après-ski et tout. Mais non, mais attends, il n'y a pas de neige, hein, des conneries. Bah attends, c'est la fin de la saison, il y a encore de la neige à certains endroits. On a pu aller faire du snowboard. On n'a même pas pris de manteau, on n'a rien pris, on a été comme des touristes. On est des touristes. Ouais. Bon, allez, on y va. Regardez, on a eu un petit cadeau. Regardez, il est trop mignon. allez, en route. Bon, là... On a fait un peu les foufous, on s'en mange dans un truc avec la voiture, hein, chouchou. J'espère que tu t'es pas gouré. Là, c'est là, tu tournes. Je tourne à droite ou à gauche ? À droite. Ah, ils ont mis des cailloux. Ah, si, c'est la place qui est là-bas. C'est là-bas ? Ouais, c'est la petite place qui est là-bas. Au pire des cas, on décrochera, c'est pas bien grave. Hein. Sur la photo, j'avais l'impression qu'on pouvait. Hein. Ah, on pouvait faire demi-tour. Tout à l'heure, tu étais sûr, maintenant, c'est une... Il n'y avait pas tous ces cailloux sur la photo, je te signale. Regarde tous ces cailloux au bord du chemin. Bon, on va décrocher. Mais non. Aussi. On n'arrivera jamais à faire le truc comme ça. Ah, putain. Il n'y avait pas tous ces cailloux sur la photo. Il y a le camping-car, il y a un camping. Ah, mais là, c'était au bord de l'eau, regarde. Il y a un camping, le camping, il va faire chier aussi. Bah non, t'as le droit de te garer, là. Mais si, tu peux faire demi-tour, là. Tu prends large. T'as de la chance que je suis pas au volant, je t'aurais tout montré. Mais non, t'as largement la place. Tu vois, là, non, regarde, tourne bien comme ça. Mais non, il y a plein de gens qui sont venus se garer là. T'as largement la place. Hein ? Ça, on peut pas rentrer avec la voiture. Regarde, c'est chouette là. Bah ouais, mais tu veux que je fasse comment après ? Bah tu restes là. On reste comme ça. Bah ouais. On s'en fout, on s'en va demain. On bloque tout. C'est sympa là, regarde. Ouais, c'est sûr. On bloque tout. Il y a du monde qui va venir. Les gens, ils vont voir ça, ils vont partir. Ah, ça me plaît pas quand même, non. Bah, va-t'en. On va aller là-bas, ouais. Là, on va embêter tout le monde. Regarde, on était au bord de l'eau. On va venir nous réveiller. Vous avez pas le droit de nous mettre là, vous êtes en face d'un camping. N'empêche que t'as réussi à faire demi-tour. Ouais, n'empêche que j'ai réussi à faire demi-tour. Ça, avec le 12 mètres, ça aurait été mort. Ouais. On serait pas venu en fait, avec le 12 mètres. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ça arrête pas de me trimballer de droite à gauche là.
Bah, tu feras une marche arrière maintenant que tu sais que tu peux faire une marche arrière. Bah oui, tu peux faire des marches arrière, mais vraiment gentil. Ah, je me sens mieux, je comprends pas, je me sens mieux. On pourra, on pourra aller dans l'herbe et puis faire demi-tour dans l'herbe au pire. C'est bon, on est tout droit là. C'est pas encore ça. Bon, on va pas caler quand même. Ça fait quoi? J'aime bien. Ça se trouve, elle est déjà en crabe. Non, on les verrait si elle sera en crabe. Ah ouais, elle est complètement braquée la route. Ah ouais, clair, hein. C'est marrant ça. Ouais. C'est normal, hein. Voilà, là on est droit, on est impeccable. Dernière nuit dans Flash. Sois pas triste. Allez, on se met un film. Allez, go. En plus, j'ai un truc, on va vous le montrer, mais c'est pas bien de faire ça. C'est... Regardez, on a fait nos provisions chinois. Oh, putain. Vas-y, montre. On n'avait rien à manger aussi à grignoter. Ouais, mais il faut avouer qu'on a payé 15,90€ chacun. Ouais, et on n'a pas mangé beaucoup. Donc on a pris des petites cochonneries. Donc on a pris des petites cochonneries pour ce soir. Faut pas faire ça, les enfants, c'est pas bien. Alors ça, c'est des petits rochers coco. Ça, c'est des... Ah, j'adore quand tu en fais ça à la sésame, maison. Ouais. C'est des trucs caramélisés au sésame. Et moi, j'ai pris... C'est toi qui as le plus gros sac. Oh, j'ai tout écrasé, mes petits macarons. Et puis des petits... des chouchous. Comment ça s'appelle, ça, là? Si, c'est des chouchous. Les vadrouillards sont des voleurs. Bah, on a payé, s'il te plaît. Ouais, c'est vrai. Voilà. Allez, bonne soirée. Bonne nuit, bisous à tous. Je sais pas si on va me voir comme ça. Bisous, bisous. Non, on essaye. Ouais, on va le voir. Bisous. Bisous. Ciao. Salut les bandits. Eh, on a pas mal dormi. Sauf qu'il a fait un petit peu froid. On avait pris une bouteille de gaz vide et on s'était dit, ouais, on va la remplir, faut qu'on trouve un Leclerc. Et puis on lui avait toujours des détours à faire pour trouver les Leclerc et du coup on l'a pas fait. Bon, on aurait dû. Pourquoi on aurait dû? Parce que cette nuit, ça caillait quand même. Vous voyez, un petit brouillard ce matin. Partout. Et il faisait combien? 6 degrés dedans. Ça va. On a eu du mal à sortir du lit. Chéro, je crois qu'elle est encore dedans d'ailleurs. Donc là, du coup, on va y aller tranquille. Et c'est le 1er mai. C'est férié. C'est ma fête. Je savais pas. Mais en fait, c'est ma fête. C'est un truc de dingue. Je savais pas que la Saint-Jérémy, c'était le 1er mai. C'est Chéro qui m'a dit ça tout à l'heure. Il y a un bandit qui m'a souhaité ma fête. D'ailleurs, merci à toi. Et voilà, je ne savais pas. C'est trop génial. Regardez, tout le monde s'est levé. Tout le monde est venu pour me souhaiter ma fête. Merci bien. C'est sympa. Allez, on retourne. Bon ben voilà, on s'est arrêté pour manger. Nous sommes à Bourg-en-Bresse. Non, pas encore, si. Non, si, on est à Bourg-en-Bresse. Et là, on prend direction Genève. Et en fait, on nous a conseillé de prendre l'autoroute. Et ça va pas être donné. Donc du coup, on a dit, viens, on fait les dingues, on prend pas l'autoroute.
Et dès que ça commence à galérer, on décroche et puis c'est tout nous faire l'école avec Flash, on s'en fiche. On en a fait plein, c'est juste je voulais pas les faire avec la voiture derrière. Mais on s'est dit ça coûtera moins cher de prendre tout l'école avec le Flash et la voiture séparée plutôt que de prendre l'autoroute avec la voiture, on va payer une blinde. Allez, viens, on est des dingues, on prend l'école, ouais. Ça sera plus joli que l'autoroute. Hein ? C'est ça. Allez, let's go. Ciao. En route. Ah, ça y est, on arrive là. Ça sent la fin, ça sent la fin. Encore 20 minutes et nous sommes arrivés. Bon, et bien voilà, nous sommes arrivés et nous sommes dans Flash avec la nouvelle famille. Sylvain, hello. Paul, Sacha, Charlie et les deux autres, je vais aller vous les faire voir. Ils sont déjà en train de prendre possession. Ils ont fait leur lit, faut que je vous montre ça, c'est trop mignon. Ça, en tout cas, ça fait trop plaisir que ce soit une famille. Et, tout le monde est content. Et qu'il y ait des enfants dedans, qu'il y ait de la joie, qu'il y ait du bonheur, ouais, qu'il y ait de la vie. Je vais aller vous faire voir les petits. Alors voilà, tu as déjà commencé à faire ta chambre. En fait, j'ai fini d'ici, mes vêtements. Ouais. Sauf qu'il manque un truc. T'as mis tes vêtements ici? Parce qu'il me faut une autre couette parce qu'elle est trop chaude. D'accord. Voilà les voilà tous les petits enfants, regardez. Ils ont tout déjà fait leur couette. Après mon petit doudou. Nickel. Toi c'est Lucas. C'est facile à repérer, Lucas. Et Lucas, il est en train de faire son lit. Il a 4 ans, regardez. Il a été chercher ses draps. Il a 3 ans. Il a été chercher ses draps et tout. Même que mon doudou il peut se faire. Oh, trop beau. Vous voyez, c'est trop mignon. C'est trop cool. C'est en train de faire. Ça fait bizarre de voir des autres enfants qui sont là. Mais c'est canon. Alors, ça vous botte? C'est la classe? Nickel. Les petits dorment dedans ce soir. Nous, on va dormir du coup dans leur maison. Et bah voilà, j'enlève toutes mes petites affaires. Regardez. J'éteins le poste. J'enlève ma clé, j'ai enlevé tout mon bazar, normalement il m'en manque plus rien. Ah c'est con, je vous ai pas fait voir, on leur a fait une petite plaque, regardez. On leur a fait une petite plaque avec leur photo, la photo de famille et le nom de leur famille, comment elle va s'appeler quoi. Voilà, vous pourrez le retrouver sur YouTube, je vous en reparlerai prochainement. Ouais, ils vont me faire une chaîne YouTube. Voilà. Et bien voilà, c'est ici que ça se termine, dans ce décor magnifique. Flash n'est plus à nous, Flash est à une nouvelle famille. Il va sûrement changer de nom, mais c'est pas grave, il prendra le nom qu'ils vont lui donner, c'est pas un souci. Je pense qu'ils vont bien s'en occuper, ça fait vraiment plaisir, je le répète, hein, mais ça fait vraiment plaisir que ce soit une famille avec des enfants, il y a de la vie, voilà, ils vont quasiment rien toucher, ils vont rajouter un petit peu de déco, ce qui est tout à fait normal, et en plus nous on n'était pas trop déco, donc au final l'intérieur est neutre, donc ils vont vraiment pouvoir mettre leur petite touche et vraiment s'approprier l'intérieur. Je vous fais des gros bisous les bandits, à bientôt, j'ai un petit peu d'émotion là en faisant cette fin,
Et on se retrouve dans 2 jours pour le retour avec le petit endroit où on va aller dormir qui risquerait d'être sympa. Voilà, allez, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à vous abonner, mettez des petits pouces et à bientôt les bandits. Bye bye.